I am 32. I am a postman. I am a postman. Et maintenant, la phrase entière. C'est à vous. My name is Victor Ménard. I am 55 and I work as a professional killer. Bonjour, je m'appelle Pierre Salvadori, je suis cinéaste et j'ai fait une dizaine de films à peu près et a priori la plupart sont des comédies. Au début j'étais comédien, ensuite je me suis détaché de ça parce que j'ai eu une espèce de choc esthétique en voyant un film de Lubitsch qui s'appelait Le ciel peut attendre. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à la réalisation, à comprendre qu'avec le même scénario, on pouvait faire 10 films différents et qu'au fond, faire un film, c'était avoir un point de vue sur une histoire. J'ai écrit un scénario. Pour écrire ce scénario, j'ai acheté un livre qui s'appelait « Comment écrire un scénario » de Michel Chion et j'ai écrit mon premier film qui s'appelait « Cible émouvante ». Voilà, je l'ai envoyé à tous les producteurs de Paris. Il y en a un seul qui m'a répondu. Qui avait 21 ans à l'époque, moi j'en avais 23, c'était Philippe Martin. Nous sommes dans ses locaux aujourd'hui, voilà, c'est les films Péléas. Je travaille énormément mes scénarios, mais je les travaille toujours comme support à la mise en scène à venir. Donc j'écris l'intrigue tout le temps avec un co-scénariste, j'écris ce qu'on appelle le séquencier, ça peut être très dense, hein, très riche, très décrit, c'est un gros travail, c'est peut-être le plus gros travail. Une fois qu'on a fini d'écrire le scénario, je travaille tout seul mes dialogues. Alors pourquoi je travaille tout seul mes dialogues? Parce que pour moi, ce que j'appelle l'adaptation et les dialogues, c'est-à-dire la transcription du récit vers l'image filmée, vers donc l'adaptation et les dialogues, c'est pour moi, c'est le début de la mise en scène. Quand il est écrit dans Hors de prix, elle boit et elle est ivre, etc. Voir quelqu'un boire 6 fois de suite un cocktail, c'est pas intéressant. Au cinéma, quand vous faites votre adaptation, vos dialogues et votre découpage, tout à coup, on trouve une ellipse. On la voit boire un cocktail. Après avoir bu le cocktail, elle se plante une petite ombrelle et puis cut. Et on la retrouve avec la caméra au-dessus de sa tête. Et dans le chignon, il y a 6 ombrelles. Ça, c'est l'adaptation et les dialogues. C'est comment transcender quelque chose de purement narratif en une image de cinéma, quoi, en un plan, tout simplement. Faire un film, il faut trouver des financements, etc. Donc il faut que le scénario soit efficace, il faut que les gens puissent rire au scénario, mais s'il devient trop littéraire, il va être encore plus dur à réaliser. Donc par exemple, je peux vous donner encore un exemple là-dessus, parce que c'est très intéressant avec En Liberté. Audrey Tautou et Pio Marmaille entrent dans une voiture et ils ont un échange un peu violent, un peu particulier, un dialogue étonnant. Le chauffeur de taxi est de plus en plus happé par leur conversation, sa course dévie un peu comme ça et ils roulent sur des plots. Vous savez, il y a parfois des plots en bord de route. Oh ! Pardon, pardon, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Moi, je savais que ça produirait un bruit bien particulier, que le fait que lui ne l'entende pas tellement il est absorbé par la conversation des deux autres provoquerait quelque chose d'assez comique. Mais sur le tournage, ça s'est avéré très compliqué à faire parce qu'il fallait installer les plots, les visser dans la route, les dévisser après, reboucher, ça coûtait cher. Je me rappelle qu'à un moment, une des personnes qui travaillait à la production m'a dit « Mais Pierre, t'es sûr de ce gag? T'es sûr que ça va être drôle? Ça coûte tant !» C'est effrayant parce que ton truc, là, il coûte, je sais pas moi, 20 000 euros. Si ça marche pas, et c'est difficile de dire « c'est sûr ». Vraiment, la comédie aussi, le dialogue, comme le gag, c'est un pari. Dans le début d'un film, vous avez 15 minutes pour donner un peu le ton et poser les règles du film. Un film, il a besoin de frontières comme un pays. Et à l'intérieur de ces frontières, il y aura des règles, des lois et une langue. Voilà. Et ça, ça se pose dans les 15 premières minutes. Parce que sinon, si tout est possible, rien ne se passe. Moi, je dis souvent ça. Il faut que le spectateur sache à peu près où il est. On a le temps de développer un ton singulier. Le cinéma, il a cet avantage extraordinaire. C'est que quand le spectateur entre dans une salle, il est prisonnier. Il est captif. Il a payé 10 euros, 7, ça dépend des horaires ou plus. Mais donc, il est là, il est enfermé et il ne peut pas sortir. Au cinéma, vous pouvez oser un peu un décalage et une différence. Sur une plateforme ou à la télé, on va vous dire tout de suite « Ah non, 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 ça ne va pas, il faut vite, ça ne commence pas assez vite, il faut mettre une intrigue tout de suite, il faut qu'il y ait un mec qui passe par la fenêtre, ou il faut que ceci, ou il faut cela. » Et au fond, de nouveau, l'intrigue prend le dessus et plus la mise en scène. Valérie, je t'écris pour te dire que je me suis installée depuis quelques jours chez Benoît.
Il n'est jamais là, mais je cohabite avec un certain Frédéric, dont la capacité à ne rien faire est assez fascinante. Le début des apprentis, j'avais besoin de dire que ces deux personnages, joués par François Cluzet et Guillaume Depardieu, Fred et Antoine, cohabitent depuis longtemps ensemble. Et donc, je me suis servi de cette histoire d'amour un peu obsessionnelle que vit François Cluzet avec quelqu'un qu'il n'a plus vu depuis des années. Et cette lettre, en même temps, elle montre qui il est, ce caractère, etc. Elle fait un petit état des lieux des relations avec Guillaume Depardieu. Et en même temps, on voit la porte qui vieillit et le temps qui passe. Ce qui fait qu'à la fin du générique, on sait très bien qui ils sont, comment ils se sont rencontrés, où ils en sont de leur relation. Et puis c'est fait d'une façon assez légère et pour moi profondément cinématographique. Je vois dans le dossier que M. Sanier, chez Flying Pizza, votre employeur ces deux derniers mois, s'inquiétait de votre état. Il vous a trouvé isolé. Et ? Angoissé. Et ? Et démotivant pour le reste de la flotte. Il a préféré ne pas renouveler le contrat. J'étais un garçon timide et ma timidité m'a amené à faire certaines choses pour pouvoir survivre. Et j'ai beaucoup puisé là-dedans, particulièrement, ça se voit dans les apprentis ou dans la cour. Hein. Comment on survit quand on n'a pas la confiance qu'il faut, quand on n'a pas tout ça. Donc j'ai des personnages qui sont toujours un petit peu écrasés par le monde, un peu inquiets, un peu... Voilà. Après, on va mieux, entre guillemets, mais cette empreinte-là, elle reste tout le temps. C'est là-dessus, sur cette expérience douloureuse, ou compliquée, ou joyeuse, heureuse, tout ce que vous voulez, ça dépend des gens. C'est là que vous allez chercher. Ça vous nourrit, ça vous inspire, et puis vous créez des personnages comme ça. Au fond, choisir la comédie, c'est déjà prendre un parti, qui est celui de la vitalité, de la légèreté, et peut-être que j'en ai besoin, parce que je suis un homme assez préoccupé. Assez anxieux parfois, donc ça me fait, je sais à quel point ça peut me faire du bien aussi. Donc voilà, c'est ce choix-là d'aller vers une forme de légèreté. Oui. J'adore le couple de Pio Marmaille et Audrey Tautou dans Liberté parce qu'ils s'aiment réellement au-delà de tout. S'il te plaît, ressors et reviens encore. Oui. Et tu peux t'arrêter au milieu du chemin, comme si t'hésitais. Quand il sort de prison et qu'il arrive un peu trop tôt, elle dit à Pio « Je suis pas prête, sors et reviens ». Il sort. Il revient, et elle croit presque à ce qu'elle lui demande. Après, elle lui dit « refais-le, mais un peu plus doucement, comme un réalisateur demandera à un acteur ». Donc voilà, il revient, il repart, elle vibre de ça. Et puis tout à coup, il y a un troisième personnage qui est Adèle Haenel et qui regarde cette scène. Elle ne sait pas ce qu'il se joue, mais elle se dit « mais pourquoi il rentre ?» Et là, rien qu'en changeant l'axe de caméra et en changeant le point de vue, ce qui est censé être une scène d'amour devient une scène de comédie parce que quelqu'un ne comprend pas. Et là encore, c'était un pari. Est-ce qu'on peut demander à deux personnages de refaire trois fois la même chose dans un film ou pas. Il faut être obstiné, il faut croire au cinéma, il faut voir des films, même des vieux films. Je ne pense pas qu'on puisse appréhender un art, n'importe lequel, sans essayer de comprendre d'où il vient, sans essayer de voir les grands cinéastes fondateurs, et ensuite essayer de croire... au cinéma, la mise en scène n'est pas uniquement au récit. Écrire, je pense que vous aurez plus de choses à proposer si vous arrivez avec des scénarios, parce que sinon vous serez un exécutant dépendant de financiers. Se faire respecter, essayer d'être le plus fort possible, économiquement, artistiquement, enfin essayer de faire des films qui puissent vous donner de la liberté pour le suivant, et ne jamais oublier le spectateur.